Mon papa aimant le, aimant le foot, euh, tout de suite il, il nous alerte, et puis moi qui étais déjà un dingue de foot, euh, et puis on voit ça dans l'Est républicains. et puis ça en parle à la maison, etc. Donc, oh, et non, non, des souvenirs en me disant, tu vois, on va peut-être avoir euh, le foot professionnel, va peut-être revenir à Nancy, tout en imaginant que moi, le foot professionnel, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'était, J'étais à des milliards de kilomètres. Moi, ce qui m'intéressait quand mon papa m'en parlait, c'était c'était Nancy, équipe de foot, mais pas, moi, je ne savais pas qu'on gagnait, qu gagnait sa vie pardon, en faisant ce métier de joueur de football. Donc, c'était le début. Et mes parents ont donné, à l'époque, 10, 10, 10 francs, si je me rappelle bien. Donc, ça correspond à 1 euro vingt. Euh, je ne sais plus combien à, à l'heure actuelle. Et puis voilà, bon, bon bah, c'était magnifique. C'était parti. Euh, c'était un engouement extraordinaire. C'était. Euh, c'était des moments forts de la création de de, de, de l'ice Nancy Lorraine à ce moment-là et parce que mon père me parlait du FC Nancy mais moi je captais pas trop là je j'ai jamais vu de j'ai jamais vu le FC Nancy jouer par exemple. Et je ne suis pas allé au stade. Alors que dès, dès que Nancy, dès que ça a été lancé, je suis tout de suite, il m'a tout de suite emmené au stade. Donc les rouillés ont participé ah oui, oui, à leur oui. échelle, à oui, la création à de, de la SNL. Un truc, je sais plus ce que c'était. Un, pas une action, mais un, un, une, participation. Un, une participation. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, c'était génial. Quand euh, ce club euh, se crée, à partir un peu de, de rien, enfin à partir d'un engouement populaire, mais il représente quoi Est-ce que tout de suite... Il y a un sentiment d'appartenance, euh, c'est le goût de la nouveauté. Ça représente quoi la SNL en 1967 Pour, pour moi, c'est la découverte. Pour moi, c'est d'entendre parler de, de, je répète encore, de football. Euh, de, 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 de football et, 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 et de vaguement de professionnalisme ou, ou vaguement de grands clubs en fait. Parce que être, être, euh, être un club de foot dans les, les années 67. Euh, on ne s'occupait pas de première division, de deuxième division, c'était le club, ça y est, on revenait, euh, on revenait au devant, on revenait euh, au devant de la scène, on était... Euh... Mais pour nous, les gosses, c'était euh, extraordinaire, tiens, il va y avoir du foot à Nancy. Voilà. Donc moi aimant ça et mes copains aimant ça, ça nous parlait. Et Mais on ima... je vous répète encore, on n'imaginait pas tout. C'était la nouveauté, c'était le truc. C'était le football va revenir à Nancy. Comme un spectacle comme un spectacle, oui. Comme, ouais. euh, ah, je sais pas si à l'époque on pense comme ça. On pense, euh, on pense, euh, on pense passion. On pense, euh, 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 comment vous dire, oui, passion quoi. Ouais, du foot à Nancy, c'est extraordinaire. Euh, on va aller voir les joueurs. Point. C mais pas du tout comme ce que ça peut représenter là au jour d'aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Euh... C'était même une découverte en fait.